Bonjour à toutes et à tous, on va parler aujourd'hui d'une résidence haut de gamme située dans une zone centrale, plus précisément à Gazi Osman Pacha. Elle se trouve à 2 ou à 3 minutes de la station de métro. Elle est appelée Gop Leven. Gop est une abréviation du nom du général ottoman Gazi Osman Pacha, alors que Leven est le nom d'une ville célèbre située au Balkan. Le général Gazi Osman Pacha a reçu le titre Gazi, qui signifie en turc le vétéran, pour sa parvure lors de la bataille de Belvana, aujourd'hui Belvan. Comme cette résidence a été construite en partenariat avec la mairie de Gazi Osman Pacha et à la mémoire de ce célèbre général, on l'a appelé Gop Leven. Pour en savoir plus, suivez cette vidéo. Comme je viens de vous expliquer, cette résidence se trouve à Gazi Osman Pacha, qui est considérée comme une zone centrale à Istanbul. Elle se distingue par sa proximité avec les commodités. Il est à côté de l'autoroute SX5 qui est à 2 minutes en voiture. Les appartements dans la première phase du projet, en particulier dans les étages élevés, disposent d'une vue dégagée sur la forêt Gazi Osman Pacha ainsi que le lac Ali Bey. Le paysage est tellement magnifique. De même, quelques appartements donnent sur le parc intérieur de la résidence et d'autres sur la ville. La construction de la deuxième phase qui devrait disposer des appartements n'a pas encore commencé. De même que la troisième phase qui devrait contenir des tours de bureaux. Derrière la résidence se trouve une station de métro Mahmoud Bey, Majdikoy, Chichli. Cette ligne est très importante parce qu'elle relie deux régions centrales. La ligne de station Mahmoud Bey mène au centre de Başakşehir, puis à l'aéroport d'Istanbul où la station de métro est en cours de construction et donc elle n'est pas encore achevée. On s'attend à ce qu'il soit inauguré d'ici un an. C'est tout à propos de la localisation ainsi que l'importance de la résidence. Allons-y voir les détails sur la deuxième maquette. Actuellement, les appartements sont à vendre dans cette phase. Autrement dit, dans ces deux immeubles qui disposent de 400 appartements, dont les types sont variés, de T2 jusqu'à T5. Au rez-de-chaussée, on a 44 locaux commerciaux qui ne sont pas à vendre, mais à louer. Ils seront similaires à un centre commercial et en même temps sous la supervision de la direction de la résidence. Je vous attire votre attention que les fenêtres en forme de ruban bleu qui se trouvent au-dessus des locaux sont des bureaux. Quand vous constatez, les locaux sont composés de deux étages. Il y a encore de beaux jardins. En plus des équipements de qualité tels qu'un sauna, bain turc, piscine de grande surface, agents de sécurité et surveillance par caméra. Elle dispose également de places de stationnement à ciel ouvert et couvertes. Derrière les deux bâtiments se trouve la station de métro Gazi Osman Pacha et la deuxième phase du projet. On va regarder un appartement dont le sol et les murs sont revêtus par la société de la construction pour savoir comment les appartements seront livrés et avec quel niveau de finition. La surface de cet appartement est de 113 mètres carrés, alors que sa surface nette est de 78 mètres carrés. Il dispose d'un balcon de 7,2 mètres carrés, ainsi que de salles de bain dont la première se trouve dans la chambre des parents avec une surface de 3,3 mètres carrés et la deuxième de 4,8 mètres carrés. La chambre des parents est d'environ 14,8 mètres carrés, alors que celle des enfants ou la petite pièce est de 9,5 mètres carrés. La cuisine est de 9 mètres carrés, alors que le salon est d'environ 19 mètres carrés. Comme vous voyez, la surface de cet appartement est magnifique, puisqu'elle a un balcon ouvert sur le salon, sur la chambre des enfants et sur la cuisine. En ce qui concerne les types disponibles dans la résidence, on a actuellement deux appartements de type T2. Et plusieurs appartements de type T3 et T5, alors que les T4 ne sont plus disponibles. Lors de la livraison de l'appartement, trois électroménagers sont seulement inclus, la hotte, la plaque de cuisson et le four.
Enfin, je voudrais vous rappeler qu'un investissement immobilier au centre-ville, tel que Ghazi Osman Pasha, et à proximité d'une station de métro est un investissement réussi, parce que votre appartement sera recherché. Du coup, il sera très facile de le louer. De même, si vous envisagez de le vendre, vous allez réaliser des profits. De plus, si vous voulez y résider, vos déplacements ainsi que vos filles et fils seront faciles en raison de l'existence d'une station de métro à proximité. Pour plus de questions et d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au numéro affiché sur l'écran. Ou vous pouvez visiter notre site web imtilak.net. Au revoir. امتلاك العقارية مستشار العقار في تركيا.